Et salut tout le monde, c'est Sky, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Minecraft Objectif Elytra. Et donc, on va continuer, on poursuit la recherche de l'autre portail. Pour pouvoir faire le lien entre les deux. Tiens, je vais en profiter pour prendre merde, du quartz. Par la même occasion. On arrive bientôt vers l'anneau dragon, les gens. Là, je me sens tendu parce que il est plus dur maintenant. Il va me falloir pas mal de endstone pour éviter que le dragon les casse. Je vais devoir faire des escaliers parce que certains cristaux de l'Ender ne sont pas atteignables avec des flèches, sachant qu'ils sont enfermés dans des grilles. Donc du coup, il va falloir que je monte quand même. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai déjà eu l'occasion de tester l'Ender Dragon et ah, il est chaud. Même si bon, il est un peu plus vulnérable vu qu'il est obligé de revenir sur sa statuette d'origine, celle qui est en bas. L'œuf ne sert toujours à rien, malheureusement. J'aurais bien voulu avoir un petit dragon, moi, pour le ride. Ce serait cool. Mais non, j'en ai pas reçu, c'est dommage. Mon stuff est prêt, hein. Il attend plus qu'une chose, l'Ender Dragon. Et je compte bien lui lâcher le Wither dessus. Hein. Bon, évidemment, le Wither va s'en prendre à ma pomme aussi, mais voilà. Oh, je l'ai eu! Le portail! C'est lui! Ouais! Honnêtement. Sans screenshot, vous ne pouvez pas y arriver. Ok. Donc les vrais sont droit devant. Logiquement. Donc voilà, vous vous rappelez de ce portail? C'est celui qu'on avait eu il y a quelques épisodes auparavant. Je vais donc. Je vais donc refaire les blocs de quartz et je vais les disséminer. Ils vont indiquer le chemin. Donc on va retourner. Alors, je reprends l'autre screenshot. C'était lequel? Celui-là. Donc, faut que j'aille en moins 200. Oh, merde. Re! Minecraft s'est subitement fermé parce que j'ai fait de la merde. Sans déconner. Ben donc me revoilà pour le portail. Alors, ce que je voulais, c'était donc ça. Donc, alors, faut que j'aille en moins 200. Merde. Faut que j'aille en moins 200. Mais non. Mais le moins 200, c'est directement sur la gueule du portail. Moins 13. Attends. Attends. Oh, j'ai compris. Attends. Donc ça, c'était quoi? Ok, je m'en rappelle. Attends, je vérifie juste un truc. Parce qu'il me semble que j'ai pris le mauvais screenshot. En fait, le portail que je viens de retrouver, c'était pas le premier. C'était le second. Ça veut dire que je suis retourné au point de départ? Oh putain! Oui, c'est vrai, je suis revenu au point de départ! Oh! J'ai repris le screenshot du premier portail et c'est pas du tout les bonnes coordonnées! Faut que j'aille en moins 62, moins 27! Je me suis fait niquer! Bon ben, je l'ai dans le fion. Bon, attends, on va quand même y aller par là. Je vais quand même mettre des blocs de quartz. Donc, hop. Moins 62, moins 27. Eh ben, écoute, j'y vais. D'ailleurs, avec ce que j'ai... Ah non, pas encore.
Faudrait que je tue plein de zombies Pigmen en fait. Donc, ouais, je pense que je le ferai en hors caméra ce farm. Parce qu'honnêtement, ça va pas être possible sinon. Attends, je vais devoir creuser parce que sinon, je vais pas y arriver. C'est moins 62. On y arrive. Ok, c'est par là. Moins 27. C'est par là. Donc là, je fonce droit sur le portail. En gros, ça veut dire qu'il y a un mur qui les sépare, c'est tout. Voilà. Bah là, je suis dedans, en fait. C'est quoi le Y? Ah, le Y, c'est 51. Ça veut dire qu'il faut que je creuse sous mes pieds. Très bien. Donc ça veut dire que je vais lui tomber dessus. On va faire un escalier, du coup. Là, je vais tomber nez à nez avec le portail, en fait. Je peux pas avancer. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas avancer. Je peux pas. Il y a une force mystique qui m'empêche d'avancer. Je comprends pas pourquoi. What the fuck? Ok. Bon, attends, on va creuser sous les pieds. Tant pis. Voilà! Putain, il est vachement où notre portail? Le second portail que j'ai fait, il était vachement haut. Purée. Ah, et du coup, comment je vais faire pour ça? Parce que du coup, il est. Il est là derrière, en gros, le portail. Notre portail. Le second. Oh, purée. Oh merde! Bon, j'ai un arc maintenant. Quoi, c'est possible ça? Je voulais lui tirer dessus. J'ai tiré sur la bouboule qui l'a tué. Bon, bah très bien. Écoute, c'est peut-être plus facile à cadrer, hein. Et le deuxième. Merde! Il a niqué le portail! Il emmène toujours au même endroit, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'il faut mettre de la cobble, les amis, parce que le ghast ne peut pas détruire la cobble. Bon, alors faut que je trouve un moyen pour revenir en haut, c'est ça? Donc en gros, c'est. En gros, attendez, c'est quel angle exactement? C'est quel angle qu'il faut que je prenne? Donc là, 62, 127, moins 62, moins 27, c'est ça. Donc là, c'est moins 200 et moins 15. C'est par là. Ok, donc c'est par là. C'est par là-haut. Donc je vais faire un escalier. Et on va monter là-haut. Je pense que je vais faire un escalier en colimaçon ou un truc dans ce truc-là. Un truc dans ce goût-là. Peut-être ça peut fonctionner. Hein. Mais c'est pour éviter d'aller trop loin. Quoique, attends. Je vais voir si je peux pas rafler le mur ici. Si j'arrive à trouver un moyen de monter jusque là-haut. Donc c'est 92. Hein. Je m'en rappelle. C'est vachement haut en fait. Le portail est vachement haut. Mais je pensais pas qu'il serait aussi haut. Oh fuck. Hop. Encore un bloc. Bon, ça va, à la main, ça se casse vite. Quelle chance. Toujours pas. Attends, je vais me mettre là-bas.
Ok. Déjà par là, c'est pas mal. Je vais faire le chemin le plus long. Hop, ça sera plus simple de le faire comme ça. Donc voilà, c'est mon deuxième épisode de préparation, mais tant pis, on fait avec, hein. Non merci, j'ai pas besoin d'un cinquième. Vire, vire. Donc c'est moins 200. Non, là c'est quoi? C'est moins 27. Ah mais non! Attends. Moins 15. Ah putain, j'ai fait ça pour rien. C'était moins 15! Mais quel schneck! C'était moins 15, donc c'était par là. D'accord. Très bien. C'est par là. Ok, très bien. Ouais, ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive, vous inquiétez pas. Moins 15. On y arrive alors. Là, je suis à moins 16, moins... Voilà, en gros, je suis là. Moins 15. Je tourne. Oh putain! J'ai failli tomber. Donc en gros, c'est par là. Merde! J'aurais dû économiser. J'ai encore trop peu, trop peu. Parce que voilà, il va m'en falloir un bon gros paquet. En espérant que le gaz ne le casse pas. C'est précieux. Très précieux. Donc là, je monte au maximum parce que là, honnêtement, oh, la chute va être mortelle si jamais il me touche. Putain, j'aime pas ça du tout. Je fais ça. Il m'a eu, il m'a vu. Il l'a eu. Il est juste devant. Là, je peux la voir. Oui. Oh, ne bouge pas. Épique, hein. Ah, je l'ai loupé. Non. Quoi? J'ai tapé dedans. Non. Attendez, vous savez quoi? Il me pète les... Il me pète les couilles! Merci. Oh mon Dieu, quand il meurt, on dirait un mec qui étouffe. On dirait un mec qui suffoque. Bon! Eh ben, il a cassé mon nouveau joujou, hein. Ça m'empêchera pas de continuer. Bon, ça va, il a pas l'air d'avoir fait trop de dégâts. Parce que là, honnêtement, j'en ai besoin. Ah, ça y est, je crois que je suis... Ah, je suis arrivé au plafond. Donc, on va jusqu'à 92 en hauteur. Pause. Merci. Oh merde! Non! Ah! Quel imbécile! Descends! Casse-toi! Oh! Putain de saloperie! Oh! En plein dans le mille! Bon, j'ai de la chance, vu que j'ai de la protection 4 de partout. Je vais pas mourir. Putain. Ah, ça. Bon, très bien. Je vais chercher un autre chemin dans ce cas.
Oh putain, fais chier. Bon, très bien. Je n'essaye plus de monter tout de suite. Mon portail est où déjà? Elle est là. Oh, mon escalier! Il est tout recouvert de lave! C'est pas possible! Oh putain! Tous mes efforts ont été anéantis. Bon. Au pire, tu sais quoi? On va partir en 200 tout de suite. Bon, finalement, j'oublie la balise. Hein. Le concept que je voulais faire, hein, on oublie. On va directement y aller tout droit, en mode fuck la police et on montera plus tard. On fait que dalle. On va pas rejoindre les deux bouts. Ça me casse les couilles. Direction le moins 200. Ça suffit les conneries. S'il vous plaît, pas de lava pop, s'il vous plaît. Là, je pense à un cours de route. Parce que, bon, de base, j'étais venu pour ça, donc. Économisons, économisons. Et ça ira mieux. Bah c'est la dèche, hein. C'est bon? Ok. Ok, très bien. On continue donc les moins 200. Je pense que je vais jeter toute la désoracle avant de partir. Top! Je suis arrivé. Moins 15. Faut que j'aille. Bah, c'est bon, moins 15. Non? C'était pas moins 60 quelque chose? Attends, je vais voir ça. C'était moins 27. Très bien. Par là. C'est par là. Ok. Donc là, je suis en plein sur le portail. Enfin, du moins devant. Sur un cube de devant. Maintenant, il faut que je monte. On va se mettre genre ici. Je vais monter. Je sais très bien qu'il n'y a rien puisque je sais qu'il y a le portail. Putain, si la lave me tombe dessus, je te jure que là, je vais pas faire long feu. Putain, je pourrais miner tout le nether en un clin d'œil avec cette pioche. Sauf que la pioche va bientôt crever à cause de cette netherrack. Ah, je crois que c'est la sortie. Non, pas du tout en fait. J'ai toujours peur qu'il y ait de la lave au-dessus en fait. Parce que je sais qu'il y a le portail. Mais peut-être qu'il y a un truc de lava. Pop. On n'en sait rien. Parce que là, je suis à. Faut que j'aille à 92. Je crois. On n'est pas loin. J'arrive au 80. C'est n'importe quoi ce nether! Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Bon, il est où le portail? Il est censé être dans le coin. 92. Je suis censé être dessus en fait. Ah bah il est juste en dessous en fait. Bon, bah en fait je suis juste à côté. Je me suis gouré en fait. Ah mais non, c'était pas moins 27, c'était moins 15. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que... Ouh. Je vais enlever ça déjà. Je vais reprendre le quartz. J'en ai posé un autre là-haut, donc je vais le reprendre aussi. Ça se dégage. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Oh, l'épée en or, j'en veux pas. Oh, les ciseaux, on les vire. Ça aussi. Ça aussi. Et je pense que le reste, on peut garder. Un quart d'heure de perdu à cause de ça, bravo. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va
rebrousser chemin, on va retourner en arrière, hein, on va laisser tomber mon spawn de base, même si j'avoue qu'il est pas si loin que ça. Et on n'y reviendra plus. Hop. Quoi? Bah, il m'a foutu à l'écart du village. Pourquoi? T'étais censé me remettre dans les ruines de l'Ender. Mais bordel, mais c'est quoi ce bordel? Il m'a mis du mauvais côté en plus. Le village, je l'ai vu, il était là. Il est là. Oh! Je suis accueilli par des creepers, c'est pas bon ça. J'étais censé être dans les rues de l'Ender, c'est quoi ce bordel? C'est bon village. Je m'en rappelle, je sais, il y a de la canne à sucre. Ok, donc du coup c'est par là. Tu m'as foutu n'importe où, Nether. Raison de plus que c'est de la merde. Bon, du coup, l'autre portail, je vais le fermer, hein, puisque du coup, j'irai plus. Non. Terminé le Nether. Épisode prochain, vous aurez vos deux pommes. Enfin, je les aurai. Je farmerai en off, honnêtement. Il suffit simplement de taper des zombies Pikmin. C'est pas compliqué, quoi. Bah ouais, mais là, j'ai un problème de portail. Mais je sais pas pourquoi il veut absolument me foutre ailleurs. Le portail est en bas. C'est quoi le problème? C'est quoi tous ces bruits? Il y a des mobs qu'on spawnait ici? Non. Je sais pas. Mais on s'en fout. Je vais faire dodo dans ce foutu lit. Dégage, saloperie de portail. Et il faut le casser comme ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un zombie ici ou quoi? Ah non, c'est vrai. C'est là-bas. Ah ouais, effectivement, il y a des choses ici. Oh. J'avais cru entendre un creeper. Bon, bah niveau design, c'était pas cool. On fait dodo. Ah, je peux pas, il y a des monstres autour. On peut pas faire slash kill all monstre. Non, ça passe pas. Si je fais un slash kill, c'est moi qui vais crever. Alors, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Parce que là, honnêtement, je pourrais être prêt pour... Ah bah non, mon arc est pas enchanté. C'est vrai, je pourrais l'enchanter en power 1. Attendez. Je vais juste passer en game mode pour voir les enchantements disponibles pour l'arc. Alors, je crois que l'arc il peut avoir power 1. Ah, il y en a 5 des power. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Il y a 5 power. Donc j'ai plus de villageois. De toute façon, il n'y en a aucun qui offrait le power. Ouais, donc on laisse tomber l'arc. C'est pas la peine. Je peux pas l'enchanter. On va pas se faire chier. C'est pas la peine. À moins que j'en trouve un par pur hasard. Mais bon, c'est pas la peine. Ah, ça passe. Très bien. Ok. Bon. Je pense que j'ai pas fini, attendez. On va encore faire quelque chose. Je vais pas rentrer dans l'Ender tout de suite, mais on va pas tarder à y aller. Je laisse la lave pour éviter de mettre des torches. Merde, c'est ça que je voulais faire. J'ai plus de bouffe, effectivement. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Je vais farmer la bouffe. Donc
quoi? On va farmer un petit peu de bouffe. Et après, on se retrouvera dans l'Ender. Alors. Bon, il y en a plein de la bouffe là-bas. Tiens, allons voir l'état de notre petit KFC. Merde. Oh. Ouais, on entend bien que c'est un os qui craque. Bon, dégage-toi, t'as rien à faire ici. C'est pas chez toi. Je suis mort une fois dans toute la série quand même. Je pense que j'ai ma place en ultra hardcore. Là-bas, il y a des vaches à l'attaque. Je vais me faire du bif. Je vais... Avant de partir l'Ender, il faut quand même que j'ai un maximum de bouffe. Donc voilà, pour le reste de cet épisode, on va tout simplement... Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On va tout simplement chercher de la bouffe. Hop. Voilà. Donc je cherche juste de la bouffe. Et pour le prochain épisode, je ferai les pommes d'or. C'est pas compliqué, il suffit simplement de taper des zombies pigmen. Celui qui triche a vraiment pas de couilles. Ah, c'est un... Mais c'est lui, c'est le portail du Nether, ça. Mais saloperie de portail, quoi. On peut pas l'enlever, en fait. C'est chiant qu'on puisse pas l'enlever. Non. On peut pas l'enlever, c'est dommage. Hop. Il y a plein de vaches, ça va faire plein de bif. Ouais, parce que c'est une vache et on a du bœuf. Où est la logique? Je vous le demande. Tiens, flèche. Je prends. Ah justement, j'ai faim. Au pire, sinon, je fais un slash kill, hein, y a pas de problème. Ça me fait juste ramener aux ruines de l'Ender. Bah, devant le portail qui est déjà ouvert depuis 150 milliards d'années, hein, écoute. Oh! Squeletton! Pas content. J'ai 27 bif. Ah, c'est bien. Je continue. Ah. Je vais prendre l'autre épée pour éviter de gaspiller celle avec le sharpness. Parce que j'en avoir beaucoup besoin dans l'Ender. Oups. Je me suis loupé. Voilà, là ça passe. Le Bane of Anthropod, ça fait que dalle. Hein. Oh, j'ai loupé. Ah, la petite cabane avec les sorcières, là où on était. Ah, bah c'est là d'où on vient. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'aurais dû prendre la Sugarcane qui était juste à côté. Mais je le savais pas, en fait, qu'il y avait des villageois qui tradaient ça. Honnêtement, si je l'avais su, je les aurais pris, plus tôt. Mais là, au final, je les ai pas pris, quoi. Alors, mon timer, je l'ai un petit peu activé en retard. Donc, je pense qu'il y a environ 10 minutes d'écart. Donc, j'en sais rien du tout. Du coup, je pense qu'on va se laisser là. Parce que du coup, je n'ai plus du tout le temps en tête. Je sais pas où est-ce qu'on en est. Donc, je préfère m'arrêter tôt. Tant pis s'il n'y a pas les 30 minutes. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais farmer les... Ouais, je pense que pour la bouffe, on va s'arrêter là. Et je vais faire ces stupides pommes d'or pour le prochain épisode, voilà. Enfin, pas si stupide que ça, puisque ça va beaucoup m'aider. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à... à vous abonner et à me suivre sur Twitter, si ça vous plaît. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Oh. Bye tout le monde.